La famille royale a régné sur l'Angleterre et le Royaume-Uni pendant des générations, transmettant la couronne à plusieurs familles différentes ayant des ancêtres communs. Comment la famille royale a-t-elle commencé? La famille royale a passé près d'un millénaire à diriger la Grande-Bretagne, passant les règnes entre des dizaines de monarques. La reine Elisabeth II est le monarque ayant régné le plus longtemps au pays ou à l'étranger et est maintenant entrée dans sa 68e année sur le trône. Sa naissance a marqué une première pour ceux qui, à l'époque, était un cabinet relativement nouveau. Comment la famille royale a-t-elle commencé? Les questions sur les origines de la famille royale d'aujourd'hui commencent sans doute à deux endroits, l'une en 1066 et l'autre en 1917. La lignée actuelle de la famille royale a émergé avec l'invasion normande en 1066 lorsque Guillaume le Conquérant a débarqué en Angleterre. Il a déposé le monarque de l'époque, Harald Godwinson. En démantelant la maison du Wessex, ses descendants passèrent la couronne à travers un enchevêtrement de parents et de maisons. Et elle parvint finalement à James VI et moi en 1603. Il était le dernier roi exclusivement écossais et le premier roi de Grande-Bretagne. Jacques Ier fut le premier monarque d'Angleterre, qui fonda la maison Stuart, qui passa à la maison de Hanovre, la famille de la reine Victoria. La maison de Hanovre a ensuite donné naissance à la famille royale moderne, mais par nécessité plutôt que par héritage, les descendants de la reine Victoria ont pris le nom de Saxe-Cobourg-Gotha de son mari. Le prince Albert. Mais dans les années qui ont suivi la mort de la reine, l'attitude s'est lentement retournée contre la famille. La Première Guerre mondiale a vu un pic dans le sentiment anti-allemand local, provoquant une atmosphère inconfortable au Royaume-Uni. Mais ce malaise s'est rapidement transformé en consternation lorsque les bombardiers de Gotha sont descendus sur Londres, invention allemande, les avions ont effectué des bombardements sur la ville pendant la guerre. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.